Hey yo les gens, c'est DragSurvie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va tourner entre 10 à 15 minutes, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il fait super chaud et le PC a du mal. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que j'avais déjà fait, je crois même il y a un petit moment de ça, sur Génération 0. Alors pour vous expliquer un peu le système du jeu, c'est en Suède. Il y a eu la guerre et puis patati patata. Et pour éviter qu'il y ait des guerres, ils ont installé des robots. Sauf que les robots ont dissipé toute la population suède. Donc je vais recréer un truc. Je vais recréer un truc. Alors attendez, parce que faut que... Oui, alors attendez. Alors attendez, 5 minutes... Parce que oui, parce que vu que le machin a chaud, le logiciel aussi a chaud. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et faites le nécessaire, j'ai envie de vous dire. Alors comme vous l'avez vu, j'ai baissé un peu de rythme en ce moment, parce que avec la chaleur, tout ça, j'évite d'allumer les appareils, parce que ça chauffe. Déjà les nuits pour se refroidir c'est chaud. Donc clairement pour le moment si vous avez une vidéo par semaine ça sera déjà pas mal. Pourtant le soir je fais des courants d'air. Je devrais faire mes vidéos le soir, mais le soir vu qu'il y a les moustiques je me suis fait attaquer par 2-3 qui m'ont tourné autour. Et puis je me suis dit ils vont pas me piquer, parce qu'en temps normal je suis pas trop moustique. Il y en a qui... À l'époque, ils venaient pas trop me piquer, et puis là, cette année, apparemment, ils ont décidé de me faire la Java au niveau des jambes. Donc, c'est un peu compliqué. Comme vous le voyez au niveau de mon micro-ondes qui est juste au-dessus, là, j'ai un appareil noir, et c'est pour les moustiques, les mouches, et tout ce qui est du genre chiant le soir. Donc, c'est pour ça. Alors, pour faire des vidéos, c'est aussi pareil. Donc voilà. Donc, je relance l'over. Ouais, on est à 34 degrés, donc comme vous le savez, 34 degrés à l'ombre, hein, c'est 34 degrés à l'ombre, donc en plein soleil, il fait entre 36 et 37, voire peut-être un peu plus, ça dépend des endroits, je pense. Alors, tu te lances. Les gens, bon, j'ai relancé ma console parce que la console a chaud, c'est l'appareil. Pourtant, elle tourne pas de la journée, je l'ai allumé juste pour la vidéo et avec la chaleur quand même, voilà. Sinon, je pense que beaucoup de personnes, fait comme moi, vous jouez à Batman, vous êtes dans le noir. Il y a juste la chambre qui a air, parce que moi ça a l'ombre au niveau de la chambre, mais sinon, ouais, c'est chiant. C'est chiant, c'est chaud. On peut pas faire autrement. Donc, pour répéter un peu ce que je disais, donc Génération 0 est un jeu qui se joue en multi, où vous pouvez jouer solo. Alors moi, je vais jouer en solo parce que, je peux pas faire autrement. Mais si vous avez le jeu et que vous avez envie de le tester, il est sur le Game Pass, je vous le conseille. Alors bien sûr je vous le conseille aussi en multi, parce qu'il y a des zones par exemple, c'est pas mal d'être à plusieurs, parce que vous avez une capacité d'armes où vous pouvez que avoir deux trois armes je crois, plus avoir des objets, donc vous pouvez avoir des silencieux comme un jeu de survie normal. Vous devez manger, vous devez des bandages, il y a tout le tralala. Et c'est pas mal d'allumer la manette, parce que bon... Voilà. Alors, voilà. Bon. Hop. Génération 0. Hop là, voilà, c'est allumé, voilà, piste 1, 0 down. Donc, donc vous êtes soit avec des alliés, soit contre les robots tout seul. Comme vous le voyez, vous pouvez avoir plusieurs petites choses.
Vous pouvez avoir plusieurs catégories, on va voir ça tout de suite sur le truc. Vous pouvez avoir plusieurs catégories donc de personnes. Alors je pense que ça se déroule fin année 90, 80, parce que c'est surtout des disco punk, voilà, c'est des genres de personnes qui voilà sont de l'époque. Donc à voir. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais je vois déjà bien le jeu comme ça, parce que c'est soit des nerds ou des geeks, les trucs comme ça. Bon, on le dit plus trop maintenant, on dit plutôt des intellos, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ben c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est casse-couille, quoi, c'est... Mais bon, le jeu a un bon fond sur un côté, donc on va voir ça. On va voir ça. Charge, charge, charge. Alors, c'est pareil, petite info. Au niveau, comme vous l'avez vu, je fais pas trop de trucs sur les mangas en ce moment. Ça fait un petit moment. C'est parce que ben, je trouve pas ce que je veux pour la vidéo que j'avais prévue. Donc, il va falloir que je trouve une autre solution, quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, voilà, on va faire nouvelle partie. Donc, vous avez le choix entre homme et femme. Bon, ben, je suis un homme, je vais prendre homme. Donc vous avez plusieurs catégories, soit A, soit B, soit C. Alors moi je vais prendre catégorie A. Couleur de peau, on va le mettre un peu bronzé. Rappeur, donc comme vous le voyez il y a rappeur. Biguère, alors là je pense que c'est plus les tenues bûcheron et puis le trou le tralala. Populaire, bon bah ça je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est. Les nerds, donc ça c'est pour les intellos. Métalleurs, ça c'est pour ceux qui sont clairement tout ce qui est métal, tralala. Militaires, bon voilà, ça c'est pas le même. Rebelles, punk. Vache, nickel, du punk, voilà, c'est pur punk. Rappeur. Alors moi je jouais sur ce style là, j'aime bien ce style là, donc même si vous choisissez autre chose, de toute façon vous avez tous les mêmes catégories, pas plus de place, pas plus de machin, pas plus de voilà, à part si peut-être que, je sais pas, mais pour le moment, alors style on va prendre comme ça, niveau difficile standard qui offre une équilibre exploration défi à l'autre peut modifier les paramètres ça machin. Alors je vais mettre les voix en suédois parce que vu que c'est en Suède vous pouvez soit le mettre en suède soit en anglais sinon les interfaces et votre panel quoi tout ce qui est écriture et tout ça sont en français. Simple pour ceux qui veulent jouer, on va lancer. Votre partie est réglée, invitation seulement, vous pouvez changer. Voilà, donc voilà, donc génération 0. Alors je vais passer la cinématique parce que sinon il y a peut-être des copyrights, surtout qu'il y a une musique en fond. Si vous voulez le tester, voilà. Donc on arrive là, alors mince, on arrive la nuit. Donc voilà, je pense qu'on s'est fait tirer à l'eau, machin, fouiller les maisons à la recherche d'utiles. Donc il y a pas mal de petites choses, là-bas il y a une bagnole. Donc bon bah là il faut suivre le chemin. Donc c'est assez simple comme jeu en temps normal. Pour ouvrir les portes, alors c'est un peu dommage parce que normalement t'enfonces pas, moi j'enfonce pas les boutons quoi que ce soit faut fouiller tout hein. Donc le fusil oh, c'est un fusée de détresse tout à l'heure j'avais reçu un fusée de détresse c'est bien quand vous êtes à deux. Le truc c'est que je savais plus comment on rangeait. Donc voilà. Donc là, nous avons la map.
Donc comme vous le voyez, elle est grande, elle est même immense, je pense. Donc c'est pour ça, le mieux c'est d'être à plusieurs. Bien sûr, quand vous arrivez plus dans les terres, ça devient plus difficile. Mince, c'est pas ça que je voulais. Après, vous avez votre inventaire. Donc, bon, bah là, c'est un inventaire tout à fait normal. Vous avez vos compétences, parce que bien sûr, voilà, vous avez un panel de compétences. Un journal. Donc, bon, bah là, faut suivre le système de défi, donc avec l'XP et tout ça, machin. Après, vous avez tout ce qui est tenu. Vous pouvez trouver des tenues, des machins en plein explo. Vous avez des emotes. Alors bon, ça c'est bien quand vous êtes avec des amis ou quoi que ce soit. Vous avez des défis. Donc en tête de meute, dit pareil, tanière de pleine lumière, chercheur à détruire, l'huile de feu, plus voilà. Donc vous avez plusieurs choses et vous avez des tâches. Alors bon, bah ça, ces nouvelles tâches sont disponibles pour accepter rendez-vous sur le tableau de guerre de bunker. Là. Bon bah là, faut aller jusqu'au bunker. Bon bah. Voilà, mais je pense que les tâches vaut mieux être en équipe. Donc voilà, après vous avez tout ce qui est sélectionnement, équipement. Là, bon bah là j'ai rien. Là j'ai rien. Le B c'est pour s'accroupir. Le A c'est pour sauter. Le bouton du sprint, bah, ça c'est pour sprinter. Voilà. Donc vous avez. Voilà vos ennemis, les robots. Alors bien sûr, il y a plusieurs catégories. Hein, il y a plusieurs catégories de robots. Ok. Voilà. On va éviter de toucher ça pour le moment. Recherche. On a quoi? 12. Ok. On a quoi? Tissu. Alors tout est bon à prendre. Hein. Tout est bon à prendre. Que ça soit n'importe quoi. Le message de grands-parents. Ah, c'est les grands-parents. Fouiller la maison à la recherche de tout objet utile. Donc voilà. C'est encore moins, bien sûr. Tu n'es pas encore à la maison. Alors bon. Voilà. Bon, ben, on voit qu'elle sait faire traduire. T'as pas de balle. Fusée de détresse, munitions. Ok. On va prendre le fusil de détresse et les crochets. Hop. Alors, normalement, il n'y a rien au début. Hein. Normalement, il n'y a rien au début, mais il faut faire quand même attention parce que ça peut. Je pense que tout peut changer entre temps. Alors pourquoi? Passer le doigt de l'autre côté. Cette détresse. On prend. Donc voilà l'inventaire qui se met en place automatiquement. Une batte de baseball. Maintenir pour prendre. Ça, ça doit être. Je pense pas que ça soit si utile que ça quand même de prendre une musique. Là, il y a rien. Là, il y a rien. À l'étage. Qu'est-ce qu'on a dans la valise? Du bois. Alors je sais plus s'il y a du s'il y a une capacité de poids. Je crois pas, hein, mais je crois pas qu'il y ait. On va déjà fouiller les jumelles. Le petit livre. Route équipement. Une arme, objet, équipement. Être chargé, gna gna gna, ça. Ok, bon, bah, y a plus rien. Yeah.
Note d'agent. En savoir plus. Ok, course. Hein. Adolescent disparu, gna gna gna, 18 ans, petite fille. Donc il y en a qui sont disparus, donc je pense qu'il faut les retrouver. C'est pendant la guerre froide, gna gna gna. Donc quand vous le voyez, bah, la guerre a fait rage, donc bah faut machiner. Trousse de secours, ça c'est pas mal. Bah, je vais me la mettre même. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Pourquoi il veut pas me le mettre dans la main? Pardon. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Donc, voyons voir. Alors, avant d'aller voir la voiture de police, voyons voir. Alors, déjà, on peut pas ouvrir la caisse. C'est déjà un bon truc. Ça, on prend. On charge le pétard. Il y a quand même pas beaucoup de vivres. Mais tout est bon à prendre. J'ai pas pris ce qu'il y avait dans le... Parce que oui, j'ai pas fouillé derrière. Je croyais que je pouvais interagir avec. Il y a une petite boîte qui est là. Silencieux pour fusil. Alors, normalement, quand vous allez dans votre inventaire, que vous allez là, ah voilà, accessoires, donc munitions, donc bah voilà, module, bon bah j'en ai pas, gna gna, charge, viseur, donc après bon bah là faut faire avec, parce que bah vous pouvez avoir plusieurs armes, donc mitraillette, sniper, voilà, ainsi de suite et ainsi de suite. Je baffe comme un gros cochon moi. Ces amoureux, toi, maintenir pour fermer. Objet de collection. Ah, il n'y a pas grand chose. Objet de collection. Comment ça, objet de collection? J'ai oublié un truc. Ah, peut-être dans la bagnole. Soucis. Ça, c'est un souci, ça, ce truc-là. Il y a quand même pas grand-chose dans les bagnoles. J'avais zappé... Ah. Attends, je me l'ai mis dans l'inventaire là?
Ah oui, j'ai une zone de poids, comme vous le voyez. Donc, plus je vais en prendre, plus ça va être lourd. Là, je suis à combien? Oula, c'est comment? C'est en 9.160 sur 64. C'est bon. Bon, de toute façon, si je vois que je n'arrive pas à avancer, c'est que je serai trop lourd. Alors, valise. Bon, localiser, détruire l'ennemi. Bon, bah, normalement, celui-là, il est simple. Ah non, il est pas simple. Je veux surtout viser les réacteurs qui sont au-dessus, parce qu'ils ont des genres de bidons d'essence sur le dos. Donc faut pas hésiter à leur tirer dessus et à leur faire la peau quand il le faut. Tu ne serais pas mort, toi. Voilà, donc là nous avons. Alors, faut passer de l'autre côté, bien sûr. Apparemment, il m'a quand même calé une balle. Il m'a quand même calé une balle. Je vais aller à la... Hein, c'est pas ça. Ah oui, parce que oui. On peut aussi fabriquer des choses. Donc, fabriquer. Ah oui, il faut que je fasse gaffe à mon énergie. On peut pas ouvrir là. On peut pas ouvrir le machin là. Tu te fous de moi? Peinture de guerre. Ok. Ça c'est pour c'est des rajouts. Donc clairement si vous voulez avoir des peintures, des trucs comme ça, ça peut être utile. Mais bon. Qu'est-ce qu'il peut être l'avoir là-dedans? En tout cas, c'est pratique parce que... Qui aurait voulu fouiller dans un camion comme ça? Alors par contre... Ah bien, mais j'avais vu une bagnole tout à l'heure. Voilà. Juste là. Il y a des voitures. Faut pas oublier de les louper. Souci. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors faudra peut-être que je fasse attention quand même au poids, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un gros truc phénoménal. C'est pour ça il faut jouer à plusieurs, comme ça bah, par exemple l'un peut prendre du bois, l'autre le fer, les machins, et puis ainsi de suite quoi. Bon, la jerrycan de pompagne, non. On va éviter parce que bon, j'en ai déjà une sur moi, ça va quoi. Alors par contre, on pourra toujours me dire, mais comment ça se fait qu'il y a des bagnoles qui ont des cartouches de... bah des bottes. Donc comme ça, si vous voulez, changer de voiture de style... Et des mocassins. Alors bien sûr, ça se cumule pas, hein, les mocassins, les machins. C'est surtout cosmétique, donc les vêtements. Donc ils vont se mettre, par exemple, là... Bah, les bottes en cuir, vu que j'en ai déjà une, va juste changer de résistance aux balles et résistance... Alors, comme vous le voyez, ils ont des catégories. Donc là, j'ai par exemple résistance aux chutes. Et là, j'ai boost de saut. Alors bon... Je vais mettre celle-là. Et on avait reçu peinture de guerre. Donc normalement elles sont là. Donc les peintures ça change pas grand chose. Pour le moment je les sais comme c'est. Mais après bah, c'est à vous de voir si vous voulez vous mettre des peintures de guerre ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc bon, on va s'arrêter là je pense. Je continuerai peut-être la semaine prochaine. Avec vous.
Moi, je vais essayer d'avancer un peu quand même pour. Alors, bizarrement, je pense que j'ai loupé quelque chose. Je vais quand même regarder parce que j'ai peut-être loupé quelque chose d'important dans le machin. Parce qu'apparemment, il y a un truc important à récupérer. Puis, si je le trouve pas, pas grave. Donc, je vais vous laisser sur ça. Merci encore. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'est Drake Survie. Peace.